Aleyküm selam. Je n'ai pas besoin de te demander ce que tu es en train de dire. Je sais que c'est la philosophie. Parole de Jacques Prévert, je présume. Méditation de Descartes, j'ai fini avec Prévert. Tu sais, la philosophie est une matière qui m'a permis de confirmer l'existence de Dieu et de renforcer ma foi en tant que musulman. Ah, subhanallah, étonnant. Quand on sait que les philosophes sont les athées et qu'en philosophie, Dieu n'existe pas. Souada, ça c'est ce que pensent ceux qui n'ont jamais fait la philosophie. Il est même arrivé à certains de nos prédicateurs à demander à ce qu'on enlève la philosophie du programme. Et pourtant, les véritables croyants sont des philosophes. Là, tu deviens intéressant, hein? Explique. Souad, c'est pour suivre un cours de philosophie que tu es là. Tu as raison, mais j'aimerais que tu me dises un peu plus pour ma propre culture. Souad, c'est simple. La philosophie remet tout en cause. Le doute méthodique sur l'existence et tout ce qui l'entoure. Lorsqu'un philosophe dit que Dieu n'existe pas, ça ne veut pas dire qu'il ne croit pas en Dieu. Mais par cette affirmation, il va chercher les preuves de l'existence de Dieu de façon rationnelle. Le philosophe ne se contente pas de ce qu'il entend. Il veut des preuves, mais ce n'est pas la preuve de l'existence de Dieu qui manque. Il nous suffit de nous observer nous-mêmes et d'observer autour de nous. Tiens par exemple, dans cette œuvre de Descartes, Méditation, Descartes prouve l'existence de Dieu et la distinction réelle entre l'âme et le corps de l'homme. Tu vois donc que les philosophes ne sont pas des athées et qu'en philosophie, Dieu existe. Tu vois, ce n'était pas aussi difficile que ça. Parlant de religion, j'ai une préoccupation. Et c'est ça qui m'amène chez toi ce matin, Bora. Est-ce que tu as regardé les informations TV ce matin? Oh! Oh! J'ai oublié, tu ne suis pas les informations. C'est déprimant, je préfère la lecture. Il se passe quelque chose de grave. Tu vois, c'est ce que j'ai vu. Tu peux garder ça pour toi. Non, pas pour cette fois. J'en ai marre de médias. Pourquoi les gens aiment trop parler mal de la communauté musulmane? Et si tu du grain nord? Oh, le mariage forcé. Oh, le mariage forcé. Toi, tu as déjà vu une fille de 10 ans aller au mariage? Jamais vu et jamais entendu. Et pourtant, tu es musulman originaire du grain nord. Ces gens-là qui disent qu'on envoie nos filles à mariage forcé ou à mariage précoce là, si on les demande les preuves, ils peuvent le fournir. C'est d'ailleurs des personnes qui ne sont jamais arrivées au nord. Tout ce qu'ils racontent à la télé, ce qu'ils ont aussi entendu parler. Ils ne font jamais de recherche et généralement c'est parce qu'il y a certains ONG et associations caritatives qui prennent de l'argent chez des bailleurs de fonds pour soi-disant combattre ces pratiques et pourtant ils n'en aient rien. Et certains perroquets affamés parce qu'ils ont reçu des mots. Ils se mettent à vociférer. Et même s'ils ont raison, c'est un cas sur 100. Ce sont des choses qui arrivent très rarement. Une fille de 10 ans en mariage, non. Et tellement ils parlent de ça à la radio, que nos parents ont fini par l'accepter. Oui, malheureusement pour nous. Et je suis une des victimes. Tu te rappelles, à 14 ans, Hassan voulait m'épouser. Mes parents ont refusé parce que pour eux, j'étais trop jeune. Mariage précoce. Mais au même moment, Yvette, ma camarade de classe de 13 ans, tombait enceinte. À 15 ans, elle tombe encore enceinte. Pour les médias, c'est normal. Ah. Ils n'en parlent jamais. Chaque année, au moins 50 filles mineures abandonnent leurs études. Parce qu'elles sont tombées précocement enceintes. Les médias n'en parlent jamais. Mais lorsqu'ils entendent une rumeur selon laquelle une fille musulmane de moins de 18 ans se marie, le tapage de sang. Me voici à 22 ans, je ne suis pas mariée. Et je ne peux pas avoir un copain. Parce que je suis musulmane et je ne peux pas faire les rapports sexuels avant mon mariage. Tu fais comment? Nous sommes dans le même bateau, ma soeur. Tu vois, Auré, le problème avec ces hommes des médias, c'est que lorsqu'ils parlent de mariage précoce ou du mariage forcé, ils collent cela à l'islam. Grave erreur. L'islam n'a jamais fait la promotion du mariage, ni forcé ni précoce. Tout au contraire, l'islam reconnaît au mariage un caractère contractuel qui implique le consentement de tous les parties au moment de sceller le lien du mariage. Et il faut que des gens ignorants des principes islamiques arrêtent de stigmatiser une communauté pour des pratiques qui n'existent que dans l'imagerie populaire. Ils devraient plutôt lutter contre la multiplication de jeunes filles mères et de mères célibataires. Tu sais quoi?
Je vais changer de filière. Je vais faire journalisme pour recadrer le débat. C'est déjà ça. Mais moi, je dis, tant que la communauté musulmane ne crée pas de chaîne TV digne de ce nom, avec une ligne éditoriale destinée à présenter le vrai visage de l'islam, ces hommes de médias des mauvaises oublies ont encore des beaux jours devant eux. Et ton fameux Hassan, qu'est-ce qu'il devient?